Bonjour, bonjour. Attendez, j'ai le son très très fort de mon côté. Pourquoi? Alors ouais, du coup j'ai dû gérer le son. Bon, normalement ça devrait être bon. Est-ce que tout est bon? Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Ouais, pour l'instant ça c'est bon, le son c'est bon. En fait, on a eu un problème de son sur la dernière VOD. Du coup, normalement tout est bon. Prêt. Il faut juste que je lance, je vérifie que tout, que vous n'allez pas voir, je sais pas quoi, sur l'écran. Oui, bah il y a le livre encore affiché, pourquoi, je ne sais pas. Hop, salut. Et normalement, Baldur va se lancer. Voilà. Et je voulais absolument faire ça. Ah non mais. Voilà. Attendez, attendez. On va recommencer parce que on loupe tout le temps. On loupe tout le temps le son. Donc on va faire tranquillement. Je vais mute. Je foire en fait les trucs parce que j'arrive pas à réavoir mon deck StreamerBot fonctionnel sur mon téléphone. Donc. On va le faire manuellement à proprement parler. Hop. Ah mais c'est normal du coup là. Pourquoi il même sur mon ordi il veut pas? Ah c'est peut-être parce qu'il supplante celui qui est sur l'ordi. Alors attendez, je vérifie, je vais faire une correction. Peut-être que le téléphone va fonctionner. Pour l'instant non. Bon après ça c'est logique, faut que je fasse en remote. Pour le téléphone. Il me dit que je suis connecté en remote. Ok, donc là normalement ça devrait marcher. Donc normalement je fais no HUD. Donc là il me... Ah oui mais c'est parce que je suis en mode studio, c'est ça l'histoire. Attendez, je reviens in game. Voilà. Et là normalement ça devrait s'afficher mieux. No HUD. Ah oui, non, mais c'est vraiment, il veut vraiment m'embêter en fait. Pourquoi le HUD il veut plus? Je ne sais pas. Est-ce que je peux. La cam, je l'ai vérifié. Ah, donc il a décidé de dire Nick. Ok, mon téléphone. Oh, mais ce deck de l'enfer, des fois ça marche. En plus, c'est bien parce que c'est gratuit, mais là, le problème, c'est que c'est bien gratuit, mais. Faut que ça marche un moment. Ouais, vas-y. Est-ce que mes appels de commande fonctionnent? Parce que je vais les faire à la main. Parce que normalement, j'avais préparé tout ça à la main. Est-ce que j'ai pas tout modifié par N? Possible de le faire à la main? Hop. Alors, normalement, si je fais HUD off, ça marche. Oh là 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 là. Bon. Écoutez, normalement cam off fonctionne. Donc, on va dire qu'on va rester comme ça. Hein. Hop, j'enlève ma tête. Et on lance. Hein. J'enlève le son. Alors ça, normalement, le son, c'est pareil. Ça devrait fonctionner. Parce que je l'ai fait. C'est un des derniers trucs. Voilà, ça fonctionne. Et on est parti.
Juliette 2023. Roland de la Tour Bresson est mort, mais il a renacu par on ne sait quelle possibilité. Si vous n'avez pas vu l'épisode de la dernière fois, nous avons, nous sommes, comme on dit, mourus face à quelqu'un qui était au tout début à l'auberge. Tâche facile. Très très fort pour moi. Excusez-moi, je vais baisser le son pour moi parce que c'est très très fort. Voilà, merci. Bonjour Nelly. Alors, non, c'est Ganondorf, ça ne marche pas. Non, mais c'est parce qu'en fait, mon deck, il fonctionne pas là. Mon deck virtuel. J'arrive pas à le connecter. Bref. Donc, on est mort à l'auberge de Bras... De Bras Amical, donc pas Bras Amical. Caméra, s'il vous plaît, suivez-moi. Follow me. Et du coup, le truc, c'est que... il s'avère que nous sommes renacus, mais nous ne savons pas comment. Si vous connaissez un peu le cinéma actuel, vous avez dû voir, ils ont cloné Tyrone. Je vous invite à regarder le film, parce que c'est un peu le plot, aussi. Voilà, donc on était arrivé à Abraham Mitchell comme ça, c'était magique. C'est fait. On avait fait le tour un petit peu, on avait discuté avec des gens, on avait volé 2-3 personnes. Est-ce que ces personnes se rappellent que nous les avons volées? A-t-on gardé... on peut vérifier. A-t-on repris la partie après l'identification de cette ceinture? Eh bien non. Étrange. Est-ce que je peux identifier? Je n'ai toujours pas le parchemin, ni le sort. Je suis donc renacu et revenu dans le tas? Ouais, bon, je me rappelle de toi. Je me rappelle de ce chemin. J'étais mouru sur la gauche. Ma femme a chauffé les oreilles. Bah ouais, je comprends. Un garde. Ciao. Bonjour. Ok. Y'a quelqu'un qui fait... Allons acheter 2-3 trucs. Je te chatote dans 3 secondes, Nelly, 2 minutes. Le temps qu'on traverse cette... Bienvenue chez Garl, Orki Brillier. L'accent est incroyable. Mais non, mais faut shot out, surtout les personnes qui font du taf sur Twitch, voyons. Allez, 12 bis. Merci. Voilà, go follow, parce qu'en plus vous pouvez récupérer des clés que je n'ai même pas essayé de tenter de récupérer. Franchement, tu fais le taf, hein. Moi je sais pas, moi je vais pas chercher les gens pour pouvoir aller chercher les clés. Apparemment, ils veulent pas me donner Cyberpunk Bomb Rush là. Bon, hein, on va essayer de faire en sorte. Bon, je vous donne de l'argent déjà. Merci. On avait fait ça. J'ai demandé il y a un an et ils ont pas voulu. Ah oui, c'est vrai qu'il faut enlever la ceinture pour pouvoir l'identifier. C'est vrai que normalement on porte pas les trucs qu'on ne sait pas ce que c'est. Faudrait que je vérifie aussi d'ailleurs mes stats, parce que le oui, combat de la mort de Roland, bah disons que or qui brille, je soupçonne que le bâton n'est pas forcément son arme préférée. De vos voyages. C'est peut-être, voilà, on a perdu un jet de sauvegarde, hein, je précise, c'était ça le problème de la dernière fois. Hop, on remet la ceinture. Bon, il faut qu'on achète des trucs, hein. C'est quoi ça? Oui, c'est les couleurs. On n'avait pas choisi autre chose que blanc. On avait mis jaune et noir, non? On n'avait pas gardé le code couleur. Pourquoi ça c'est blanc ça? Code couleur de la chaîne. Non. Petite. Voilà. Ça, il faut le. D'après ce que j'ai compris, dans 2023, il faut l'acheter. Hein.
pour pouvoir teindre ses vêtements. Ok, bon, il n'y a plus rien. Allez, salut. Alors. Oui, bien sûr. Nous nous retrouvons face à quelque chose qui est assez simple. Nous allons sauvegarder. bien entendu, nous allons sauvegarder. Ah oui, ah ouais, attendez, parce qu'il faut qu'on fasse, la compta des morts. Alors attendez, parce que je ne me rappelle plus. La compta des morts. Je ne me rappelle plus du code. Normalement, c'est dead pour. À chaque fois que je meurs, vous avez juste à taper dead. Et normalement, c'est bon. Sauf que, pour le compte, il faut que je le trigger. Pour le trigger, il faut que je fasse dead compte. Ok. À chaque fois que je meurs. Voilà. Et vous allez avoir le petit écriteau, je suis, combien de fois je suis mort. Donc là, c'est la première. Sans doute la deuxième, dans quelques secondes. Donc on va... J'ai sauvegardé, je sais même plus. J'ai fait ça au pif, là. Oui, si, j'ai sauvegardé, hein. Oui. Salut, camarade. Oui, bah salut, camarade. Ouais. Ouais, ouais, je me rappelle de toi. Nous allons fuir. Cette discussion. Camarade, salut. On s'était baladé du côté de la ferme. Il y avait peut-être un autre truc. Ah oui, il y avait une porte ici, je crois. Voilà. Est-ce qu'on l'ouvrait? Je sais même plus. Est-ce qu'on on pouvait rentrer? Non, mais camarade, salut. Salut. Monsieur, vous nous empêchez de rentrer. Voilà. Quelqu'un qui rompiche. Une tâche facile. Ouvrir ça, ça. Ouais, on va pouvoir vendre des trucs. Cool. Bon, on avait discuté avec toutes ces personnes, hein, mais j'imagine que eux aussi sont dans une boucle mortelle. C'est fait. Voyons voir la suite. Bonjour, la bon, allons à bras amical. Je sais comment ça va se dérouler. Je me rappelle des tenanciers. Et tenancière. Salut, camarade. Non, non, mais non, mais t'es pas obligé, hein. Mais ah, on n'a pas fait. Oh, nous ne sommes que des voyageurs faux au but qui cherchent un endroit où dormir. Je vois, pardonnez-moi d'aller droit au but, mais vous ressemblez à une personne que je cherche. Même taille, même style de vêtements, plus ou moins. Je dois dire que vous êtes son portrait caché. Vous arriverez pas de château suif? Château suis ? Non, je connais pas. Eh bien, nous sommes un rôdeur tracker. Hein. Très étrange. Vraiment, je ne partage pas cet avis. Vous correspondez en tout point à la description. Ainsi, je pense pouvoir affirmer que vous êtes la personne que je cherche. Ne bougez pas, j'ai quelque chose pour vous. Mais j'ai pas de jet de sauvegarde. Donc voilà, arc long, on est à moins 1. Donc déjà, je pense qu'on peut dire on abandonne l'arc. Point de vie, dégâts. Taco de base, 20. Bâton, 1 dé de 6 en plus. C'est cool. La fronde, 1 dé de 4 plus 1, ça fait 5. Pas beaucoup. Donc on va garder le bâton. Mais je crois que j'ai quand même un skill épée. Mais je sais plus. C'est con. Oui, un dé de 8. Et en plus, j'ai une compétence associée. Donc c'est bien ça. Du coup, si je fais ça... Ah oui, c'est ça, il faut pas que j'ai de trucs à deux mains. Ah si, ça, l'histoire, je sais plus. Bon. Ok. Je sais plus. Je ne sais plus. Est-ce que je peux mettre ça en objet rapide, non. Projectile, c'est bon. Où je mets mon... Ah oui, mais c'est là. Voilà. Je crois que nous sommes équipés. Ok, donc du coup, je vais aller au corps à corps. Oui. Et on va croiser les salut doigts. Salut, camarade. Salut, camarade. Vous êtes une bien étrange personne. Par ici. Non, tu peux le taper tout de suite. Hein. Ah, il y a le garde. Merci, le garde. Voilà. On a bien fait de bouger de démarche. What the fuck? Il nous a fait quoi là? Il nous a fait un truc qui fait peur, je crois.
Du coup, on est hors compétition. On a paniqué. Oh là là. Attendez. Pour venir là. Et c'est le garde qui va prendre l'expérience, les gens. Je suis choqué. I'm shocked. Je ne sais pas quoi dire. J'ai honte pour Roland de la Tour Bresson qui est mort une deuxième fois après avoir couru devant. Voilà. J'ai honte. Chargeons. Bon, on va voilà. On va rajouter hein. Ah, il a remis le son. Ah, c'est intéressant. Avec Dead, il rajoute le son à chaque fois. Bon, attendez, il faut que j'aille corriger ça aussi. Donc, Dead. Oui, Fedin, animation. Oui, c'est bon. Ça, c'est bon. Dead Conta. Oui, visible. Ok. Mais pourquoi il me remet Action A? Parce qu'il coupe le son et après il remet. Mais en fait, t'as pas besoin parce que je pense qu'en fait on est bon en fait. Voilà, merci. Là, je vais devoir remettre mute. C'était un de mes calculs nuls. De prévoir de couper le son. Allez, hop. Je coupe. Donc, on a un problème. On a un problème, il faut charger cette partie. Oui, bien sûr. Et on va se faire défoncer. Même si le garde, il est là. Donc du coup, l'idée, c'est qu'on va placer les gens. Vous êtes une bien étoile ici. Voilà. Oui. Pokémon va se mettre là. Nous, on va se rééquiper de notre combo fatal. Voilà. Et non, mais en plus, voilà, s'il te plaît. Voilà. Oui, bien sûr. On va se mettre là. Qu'est-ce que vous voulez? J'en ai assez. Ici. Il faut qu'on attende qu'il y ait un. Et maintenant, une tâche facile. Un garde. Salut, camarade. Un garde, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Un garde. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un garde. Non. Mais non, mais. Je suis ici pour rencontrer des amis. Eh bien oui, c'est moi, tout à fait. De toute façon, on connaît que c'est comme ça que ça commence. On va devoir se taper. Voilà, Imoen, tu fais la garde, hein. Tu peux te... Voilà, non. Bah non, du coup, t'as pas de capacité. Si tu... Ah si, on aurait pu faire un piège. Ah ah. Voilà, fais un piège maintenant, sur sa tête. Maintenant, on lance de loin. Avec la fronde. Comme ça, on mourra pas. Imoen, tu peux mourir. Par contre, je comprends pas, Imoen. Pourquoi tu es à main levée, là? Donc là, il m'a fait flipper. Imoen est dead. Mais en fait, écoutez, on va abandonner tout de suite, hein. Je crois qu'on va arrêter de jouer à ce jeu de la mort. Tâche facile. Là, on compte pas la mort de Tour Bresson, hein. Et il nous faut vraiment des gardes, là. Les gardes, là, s'il vous plaît. On se fait boycott l'entrée de l'auberge, s'il vous plaît. Oui, en fait, oui, j'y étais encore un peu. Jamais entendu ce nom, hein. Bien entendu. Hein, ce n'est pas du tout moi. Hein. Une autre tentative de... Ok, commence direct avec son attaque de l'enfer. Hein. Faut le mettre une balayette à ce moment-là, je crois. Oui. Bon, mais je me suis pas équipé encore. J'en peux plus. Avec son attaque de miroir. Hein. Vous êtes une bien étrange personne. Et toi, je sais pas pourquoi tu peux pas utiliser ça, genre. Fais un petit des petites boules de feu vite fait sur sa tête. Voilà. Et maintenant, ouais. Que se passe-t-il? Et ben en fait, faut le taper. Je t'invite à le taper. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que Imoen, elle a une baguette magique, mais ça serait bien de le. On est mort. Je pense que c'est comme ça que ça commence. Hein. Comment tu veux faire après? Ouais, bah, Imoen, salut. Adieu, hein.
Vais-je faire tout le jeu sans Imoen, mort devant l'auberge de Bras Amical? Eh bien non. Ah là là là. Comment on va faire pour passer ce truc là? Il faut traîner dehors, je ne sais pas moi. C'est possible hein. Tout ça parce que je n'ai pas les bons skills. J'ai sans doute choisi quelqu'un qui ne fallait pas jouer dès le début. Pas possible. Eh bien on continue hein. J'adore mourir en boucle. Oui, bien sûr. face au début de la quête. Bon, on va sauvegarder avec ce qu'on avait déjà préparé. Il y a un truc aussi, j'avais pas pris de dague aussi en aide. Genre, pas un avantage avec la dague. Même pour... 22... Et même à distance, on va se faire boycott. Le truc, c'est que... On va forcément mourir. Hein. Bon, déjà, on est équipé. Ensuite, on va prendre comme... On va garder la fronde, au cas où. Ça, c'est quoi, déjà? Ah oui, c'est pour aller là où je dois aller. Ensuite, toi, tu dois être équipé et protégé, si c'est possible, parce que je sais pas où je te l'ai acheté, mais tu l'as pas porté. Est-ce que tu veux pas une dague, par hasard? Tu veux pas une dague? Voilà, je te donne un couteau, un coutelas. Voilà. Est-ce que t'as un arc? Oui. Est-ce que c'est un arc long? Non. Non. Arc court. Un arc court. Hop, pour toi. 23. T'as un corps à corps, au cas où. Ouais, bon, après, c'est l'épée longue de Hull. Normalement, c'est moi qui devrais la récupérer, celle-ci, je crois. Alors, attends. Parce que je sais plus. Je te donne ça, si tu veux. Ça, moi, je prends. Bah, vas-y. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En vrai, on a rien hein, en compétence. Allez, elle tape plus fort, quand même. Hein. Compétence 3. Bon. On n'a pas de protection, mais on peut y aller. Vous êtes une bien étrange personne. Oui? Je pense qu'on est prêt. Une tâche facile. Faut qu'on fasse de la stratégie. Et maintenant, que se passe-t-il ? C'est-à-dire attirer, séparer, de façon à ce qu'on puisse avoir un garde qui l'attaque et nous on est salut, sur le côté camarade. Quoi. Non mais c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, voilà. Merci, monsieur le garde. Monsieur le garde, vous pouvez... Je suis ici pour rencontrer des... Eh oui, c'est moi. Bien, salut. Allez, hop. On se barre. Voilà, merci. Il y a des gardes. C'est bien, c'est cool. Qu'est-ce que maintenant, vous voulez? On le déglingue. Et voilà ce que je veux. Une tâche facile. Allez, de loin, s'il vous plaît, merci. Imoen, d'ailleurs, tu peux même utiliser ta baguette si t'as envie de faire des dégâts. Voilà, merci les gardes. Voilà. Enfin, nous avons réussi à trucider cette personne. Je ne sais pas comment on aurait oui. pu faire autrement. Mais oui, bien sûr. On va le loot. Il paraît qu'il a rien. Ah! Ah oui, il est équipé. Alors attends, qui veut m'attaquer? L'enfant adoptif. Cette personne je vais bientôt avoir besoin de repos. Bon, on va dormir, t'inquiète. Quiconque ramènera la preuve de sa mort recevra... Ah, on a vraiment... Allez, on prend tout, hein, parce que voilà. On a vraiment... je pense qu'on peut donner ça à Imoen. Il me semble que c'est elle qui va s'occuper des sorts pour le moment. On a vraiment un avis de recherche. Donc... Yo. Personnalisé. Biographie. Ok. Un avis de recherche a été établi. Bon, il y a des fautes en tout. A été établi
Je suis décédé plusieurs fois. Ou plusieurs, s'il te plaît. Plusieurs fois. Devant l'auberge du bras pas amical. J'ai pas noté son nom, mais bon, voilà. Un avis de recherche a été établi. Je suis décédé plusieurs fois devant l'auberge du bras amical. Un étrange phénomène. Phénomène, c'est quoi? C'est déjà c'est PH, je crois. Phénomène. Me fait revenir. Magie! Donc j'ai une fatigue, protection contre le froid actuellement. Prochain niveau dans 1859. Ouais, super. Voleur, notre bon. Elle est notre bon, alors que nous on est tout à fait chaotique, hein, bon. Alors, hop, on va enfin pouvoir rentrer dans cette OR. Je pense qu'on peut sauvegarder. Je pense qu'on peut se dire. Je sais pas si j'ai sauvegardé, mais je pense qu'on peut sauvegarder. Voilà, on peut enlever mort 1. Là, on est avec vraiment la mort 3, en vrai. Waouh. On peut enfin voir cette porte. Une tâche facile. Enchanté de faire votre connaissance. Les villageois hein, parlent de bandits qui rendent les routes dangereuses. Hey, c'est un vrai plaisir de rencontrer un bon bougre comme toi. Mais asseyez-vous, vous voulez. C'est énervant que les routes soient coupées. Mon oncle est à la porte de Baldur. Je peux pas aller le voir. Comment se fait-il que les routes soient coupées? Où étiez-vous ces derniers mois? Les routes grouillent de brigands et de bandits qui courent après les moindres petits morceaux de ferraille. Vous avez certainement dû échapper à certains d'entre eux. Sauf si j'ai pris la route de l'ouest. Mais c'est un peu ça. Voir les routes ouvrir. Pourquoi la route de l'ouest reste-t-elle ouverte? Si jamais il y a un manque de livres, la route de Château-Suit deviendra la plus dangereuse. Ah, c'est sûr. Mais c'est le métal que ce type cherche. Ok. Donc c'est une bibliothèque. Ok. Château-Suit. Vous mâchez pas vos mots, vous, hein? J'ai besoin d'une bière. Je connais l'inflation, je connais. Ah, Dorn. Bring me another flagon of ale. Then why do you bother me? Be gone. Demi-arc menaçant m'a pris pour un serveur. J'avais bien envie de lui expliquer. Il pouvait se mettre sa dent proéminente. Non mais il est sympa, Dorn. Puis-je vous aider? N'aime pas que je parle à des étrangers. Bah super. Super votre mari. Hein. Que désirez-vous? Les Amiens n'ont aucune raison de nous envahir. Ok. Des Ents. Le lore. Donc on a lu le lore, là. J'ai besoin d'une bière. Ce problème de fer est cruel pour nous, ivrognes et gloutons. Qu'est-ce qui ne va pas avec votre fourchette? Ils ont beau être en fer, ils se tordent sous le poids des maigres mais de cette auberge et l'élance de cette chope se casse. Ok. Donc en fait, c'est du fer de mauvaise qualité. Vous mâchez pas vos mots, vous, hein? Okay. Vous mâchez pas vos mots, vous, hein? Tous ces nouveaux outils que j'ai achetés sont devenus aussi friables que l'argile. Exactement, d'accord. Pour une raison, inconnue. Oui. Maladie du fer. Nouveau visage, on se trouve perdu. Restez près de moi et parlons un peu. Qu'est-ce qui vous amène ici, voyageur? J'étais apprenti forgeron à eau profonde, peut-être. D'ailleurs, mais déjà assez de problèmes. Qu'est-ce qu'il dit? Étant donné les problèmes avec le fer. Ah oui, d'accord, ok. Et eux, c'est les gens que je dois voir, j'imagine. Oui. Khalid, Khalid et... Alors, attends. Allons voir d'abord ce monsieur. Bentley. Les affaires n'ont pas du tout marché. Je ne fais plus dans la Camelot. Que puis-je faire pour vous? Ah. Alors déjà, nous, quel niveau on va se payer? Est-ce qu'on peut lui vendre des trucs? Genre le marteau de guerre, est-ce qu'on en a vraiment besoin pour l'instant? Non. Voilà. Morgenstein non plus.
Disons qu'on n'est pas très équipé pour ça, quoi. On est des rôdeurs et des trackers, donc actuellement... qu'est-ce qu'ils vont ? Armure de cuir, rondage, je crois qu'on a pris tout. Histoire de la pièce fatidique, histoire de la descente de la licorne. Bon, je crois qu'il va falloir que j'aille déjà aux toilettes. Bon, je reviens. A tout à l'heure. Je coupe avec mon téléphone. Le Nelly, oui, bah oui, pipi, bien sûr que c'est que chez Ringbell, hein, l'annonce pipi, il n'y a pas de pipi. Ici, bien entendu, nous allons aux toilettes pour regarder le plafond. Alors, même si on peut y dormir, une telle chambre, alors je vais pas mettre la cam tout de suite, hein. Je bouge un peu le micro, 2 minutes, car je vais clopec. Alors, même si on peut y dormir, une telle chambre n'offre toutefois qu'un toit. Et en vrai, en fait, on n'a pas de sort, donc on peut dormir direct. Hein. Oui, il y a un effet, oui. Alors, du coup, il y a les onomatopées, normalement. Que je n'ai pas mis à jour, mais oui, il y a des effets sur... Il y a des onomatopées, en fait. C'est-à-dire que quand tu lances, par exemple, je sais pas... Ouais, quand tu rigoles, par exemple, t'as A-A-A. Qui arrive. Et après, t'as I-I-I aussi. Alors j'ai dev tout ça, bah non, là c'est juste de l'animation, donc c'est pas très compliqué, c'est pas de du développement à proprement parler, mais c'est un appel de commande. Je crois qu'il y a Shay aussi. Bon, Shay était compliqué à mettre en place, parce qu'il voulait pas apparaître très bien. Ouais, donc du coup faut faire Ono, je crois, pour savoir. Non, je sais plus. Attends. Voilà. Les onomatopées. Ah oui, il y a Dane. Dane, souvent utilisé, hein, d'ailleurs, puisque je le dis tellement souvent. Ah, il veut pas afficher. Ah si, c'est bon. Donc ouais, c'est une animation vide. En fait, il y a un fond vide. On va payer 1€ hein, pour dormir. Voilà. Pour faire le genre. Et là, on va prendre une bière noire amère, non, une bière Dolmstar pour les rumeurs. Apparemment, il n'y a pas trop de rumeurs. Et voilà, donc du coup, le truc, c'est ouais, c'est des animations de l'écriture qui se déplacent. Alors, avec quoi ? Les onomatopées, c'est juste, en fait, comme pour les alertes. Donc soit tu t'amuses à prendre la tête sur un logiciel de photo assistée par ordinateur, un PAO ou CAO, là, création, je sais plus. Création, c'est n'importe lequel. Fais du vide. Donc quand je parle du vide, c'est-à-dire que tu peux faire du PNG, du... qui est pas de... voilà, pas du JPEG, quoi.
Enchanté de faire et que ça fasse un trou. Là, c'est le matin, c'est compliqué pour moi. Ouais, donc du coup, tu par exemple, tu fais sur un TIFF, PNG, ce genre de truc. Oui. Et en fait, ça te fait des GIFs aussi. Ouais, j'ai dit GIF, je crois. Et en fait, ça te fait une. Tu peux dessiner ou écrire. Donc là, c'est des onomatopées, donc c'est écrire. C'est pas très compliqué. Dans un espace qui n'a pas de fond. Donc c'est pour ça que j'appelle ça vide, c'est sans fond. Et ensuite, t'as juste à le mettre dans OBS, dans un comment on appelle ça, dans une scène, ou une source, comme tu veux. Par exemple, moi je fais des intrications, comme on dit, des intrications, quoi, des sources qui sont dans des scènes et des scènes qui sont dans des sources, enfin bref, voilà. Et pour optimiser un peu le truc. Et par exemple, j'ai un truc qui s'appelle... Alors attends, je vais regarder un peu plus en détail, je vais te dire. J'ai un truc qui s'appelle animation spécifiquement. Il y a les easter eggs, il y a le dead, donc quand je meurs, il y a le pavé, il y a les alertes, il y a space, il y a base aussi comme commande. Et du coup, il y a les onomatopées aussi à ce moment-là. Les onomatopées qui sont dans un groupe. Dans ce groupe-là, je fais un appel de commande en fait à chaque... truc par commande liée à StreamerBot, parce que moi j'utilise StreamerBot, je trouve que c'est beaucoup mieux que Mixitap sur le coup, et ça ne fait que s'améliorer, donc c'est vachement bien. Et du coup, c'est 12 bits hein, maintenant StreamerBot officiellement. Et du coup, en fait, le truc... Alors, je vais te dire spécifiquement, moi, ce que j'ai comme fichier. Ah oui, moi, j'ai fait des WE... Alors, oui, ça, j'ai fait un truc de bourrin. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des gens utilisent des overlays qui sont en WEBM. Et moi, j'ai fait les onomatopées en WEBM au début. Parce que les onomatopées, c'est un des trucs que j'ai fait dès le début. Pour pouvoir connaître un peu le format. Parce que je connais pas bien le format de WEBM, là. WebM. Qui sont des web, en fait c'est des animations web quoi, qui utilisent en plus, moi je trouve ça un peu complexe, qui utilisent un cache pour uniquement la vidéo, bref voilà, c'est ce genre de truc là, mais c'est complexe dans la création du truc, alors que je pourrais faire beaucoup plus simple avec, comme je disais en PNG, pour l'onomatopée ça pourrait être beaucoup plus simple, mais en vrai pour l'overlay c'est nécessaire je pense. Là, moi, j'utilise pas de ça pour l'overlay. Moi, je fais juste des applications d'images et des textes. Ce qui permet de les modifier et pas avoir un truc très fixe et qui ressemble tout le temps à la même chose. Parce qu'en plus, si vous regardez un peu le. Enfin, faudrait. J'avais commencé, hein, comment dire. Si vous regardez les autres streams en général, les WEBM, c'est les animations qui sont toujours un peu les mêmes. C'est pas incroyable, et surtout que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui travaillent sur la personnalisation de ça. Donc il y a les grands streamers qui ont de la thune plutôt, les riches streamers plutôt, streamereuses là, qui payent des gens pour pouvoir faire ce genre de petits fichiers, mais ça reste un peu les mêmes bases quoi. Et donc là par exemple moi je les ai utilisés pour les onomatopées, donc il y a non, si tu dis non ça fait non c'est non. Si tu rigoles, ça fait bah, ça fait lol, ça fait a a a très fort. Il y a i pour le plus petit, donc on peut enchaîner a a a i, c'est assez rigolo. Et normalement, il y en a d'autres. Il y a les trois petits points aussi. Ouais. Les trois petits points, c'est plus compliqué à appeler parce que c'est pas très comment dire. Ça n'a pas l'air très très sympa parce qu'il faut quand même faire, je crois, le point d'exclamation. Je ne sais plus. Voilà. Donc c'était là c'est totalement inspiré de mangas les trois petits points par exemple. C'est le côté il y a un petit callback qui passe quoi. Allez on repart en mode c'est le jeu. Bienvenue. Cet endroit est une véritable forteresse. Vous voulez que cette auberge soit un havre sur tout. Tout le monde est ami ici mais nous ne tolérons pas les fauteurs de troubles. Voilà donc du coup c'est pas très compliqué hein, pour les onomatopées. Et ouais, comme je te disais, ce n'est pas forcément du développement spécifiquement. Après, oui, j'ai fait quand même un gros taf du côté de StreamerBot depuis un an. Parce qu'en vrai, fallait.
Je renlève la caméra. En fait, j'ai rendu autonome 12 bis. C'est-à-dire que là, la plupart du temps, c'est si je change juste une scène, 12 bis, il gère tout. En fait, si 12 bis dead, et dead, par exemple, ça ne marche plus. Et ça, c'est le problème. Mais vu qu'ils ont fait une version 2.0 récemment, StreamerBot, je pense que c'est bien parti pour que ça reste. Ils doivent avoir... Et en plus, ça a rajouté pas mal de trucs vachement bien. Merci Nessie. On en a appris plus sur nos tenanciers et tenancières. Donc maintenant il faut trouver notre notre pote. On a trouvé on a trouvé. Voilà, c'est enchanté la tenancière elle. De faire votre non, elle est elle peut-être en haut hein, parce que je crois qu'il y a un étage. C'est elle. Attends. J'espère que nos locaux vous plaisent. Mais non, c'est Nessie. On a déjà répondu. Et qui sont ces ombres noires? Bon, allez, hop, on va avoir. Du calme, chérie. Nous devons procéder doucement. Vos manières. C'est bizarre les accents. Vos manières me rappellent un sage que je connais du nom de Goryu. Presque un affront pour lui, mais je le comprends. Un peu de tenue, c'est sûrement l'enfant dont Goryu nous a parlé si souvent dans ses lettres. Exactement. Nous sommes de vieux amis de votre père adoptif, il n'est pas avec vous. Cela me fait craindre le pire. Il me permet. Hein? Oui. Si il n'est plus de ce monde, nous partageons votre peine. Bah moi j'accepte. Bien sûr j'accepte, vous allez être sympa. C'est pas comme si je m'étais fait trucider à l'entrée de votre auberge. Enfin, c'est pas votre auberge, mais... Et voilà, nous avons réussi. Je pense que c'est la fin du jeu maintenant. Bon. J'espère qu'on va pas payer pour eux leur chambre, hein. Par contre, ils habitaient déjà ici, non? C'est fait. Mais oui, c'est la fin. Et je pense qu'on a fini le jeu. Il fallait juste trouver des amis. Parce que c'est ça, la quête. C'était l'amitié. Ah, bonjour. On n'essayait pas de rentrer chez vous par Un homme ne cachette, doit jamais hein. parler à son supérieur. Sauf si ce dernier lui adresse la parole en premier. Mes affaires sont mes affaires. Vas-y, casse-toi, en fait. Gentilhomme. On se trimballe à 4, mais on pique pas assez pour moi, je crois. Bonjour. On rentre à 4, hein. Je paye cher ma tranquillité. De quel droit venez-vous la troubler? En plus, je me demande ce que vous faites ici-bas. Non. Mes affaires sont mes affaires. Je pense qu'on n'a pas le rang associé à quelqu'un qui dort. En ne faisant que passer. Bon, on se mettra à voler un jour, hein, mais là pour l'instant, est-ce que ce serait pas tentant pour Imoen de essayer de voler tout le monde, sachant que tout est verrouillé ici et qu'elle a besoin de taper des niveaux là. Hey, grande question. Hors de mon chemin, espèce de vieux bûcheron desséché. J'ai pas les moyens de m'offrir, mais c'est pas pour autant qu'on entre ici comme dans un moule. Bah, du coup, lui, c'est un roturier, du coup, je peux le menacer, et je peux pas menacer les gentilshommes. Comment ça? Bah oui, je vous laisse tranquille. Bon. Ouvrons un peu cette map. Bon, on va rien voler, on va remonter. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un troisième étage. Continuons. Alors, bonjour, oui, bien sûr. Landrin. Ah, il y avait une attaque ici. Je suis enchanté de vous connaître. Bon, vous pouvez me rapporter une bouteille de vin.
75 pièces. Donc il faut trouver une bouteille de vin. Oh, mais madame, vous avez écrit très très petit. Il y a des araignées là-bas. Bon, on ira peut-être aller chercher ta bouteille. Hein. S'il y a des araignées, en plus, c'est rigolo. Elles sont très énervées, bien entendu. Dans Donjons et Dragons, les araignées font 3 mètres de haut. Ah, c'est ouvert, mais c'est vide. Bon. Et c'est assez rigolo, parce qu'en fait, tout le monde attend que je passe devant pour pouvoir ouvrir des coffres qui ne sont jamais ouverts. Excusez-moi. Pas le temps de bavarder. Bien que j'ai toujours rêvé de porter des culottes dorées, je dois avouer que je ne suis pas l'homme de ménage que vous attendiez. C'est un dandy de votre espèce. À vos ordres, monsieur. Vas-y, moi je veux bien ranger. Au vert. Ah, c'est chiant. Je pensais qu'il allait ouvrir parce que je lui dis ouais, t'inquiète, je vais ranger. Ah. C'est là où on a payé nos places, non? Ah, une hache d'armes, c'est intéressant. Après, on regardera qui sont... Khalid et... Oh! Des flèches. Somme riche. Là-bas. Du coup, on vole les pauvres parce qu'il s'est pas fermé. Un gourdin, trop bien. Et les riches, en fait, on... Bon, je suis désolé, hein. On va voler moi, les riches. Je m'en vais. Par ici. Allez, c'est parti. Va nous faire ton taf. Voilà, hop, c'est bon, c'est verrouillé. Ah non, c'est ouvert. Elle a loupé ses lancers de dés, t'es toute seule. Raté, comment ça? On continue, il dort. Continue. Mais c'est pas possible. Non, on va aller en face. Ah non, je crois que ça s'est ouvert ici. Là aussi, je crois que c'est ouvert, je sais plus. Allez hop. Oh. Mais c'est quoi ces dés? Mais c'est quoi ces dés? Salut, salut. Salut Nelly. Bon lurk. Ah oui, c'est ici qu'il y a une tape. Ah non. Il y a un des trucs où faut pas l'ouvrir. De mémoire. Peut-être après. Vous êtes une bien... Ah, ici. Ah ah. C'est à moi ça. Ok. Bon bah on va se cacher. On va faire comme ça. Hop. Allez, c'est le moment d'augmenter. Mais elle a essayé d'ouvrir devant lui. Et maintenant, bon. Que se passe-t-il? C'est fait. Oui, bien sûr. Elle a loupé tous ses dés. Mais par contre, ce serait bien de voir les dés là, à un moment. Genre, je sais pas. Comment c'est possible qu'elle loupe tous ses crochetages? Ça, c'était ouvert en plus. Mais elle foire tout. Pourquoi? C'est pas possible. Mais elle a quoi en... Montre-moi, qui es-tu? Tu es bien une classe de voleuse. Je comprends pas. D'accord que t'as un talent de crochetage quand même. Voilà, 25. Comment c'est possible qu'on se retrouve à avoir autant de foirades? Ah, c'est F5, allez, hop. C'est pas possible, regardez-moi ça. Et maintenant, c'est fait. Bon. On a tenté. Hein. Oui, bien sûr. Je vous en prie. En fait, faut récupérer Dorn. Je pense qu'avec Dorn, on est efficace. Alors, regardons. Ah, elle est pas druide. Si, c'est ça. Elle est druide. Du coup, elle a des jets de sauvegarde de paralysie, poison, sceptre, bâton, baguette magique. Donc, du coup, elle va récupérer les trucs de Imoen. Pétrification, métamorphose. Demi-elfe, neutre strict. Elle va être un peu chiante, je pense. Ce personnage peut utiliser les capacités d'un guerrier et d'un druide, mais l'usage des armes est limité à celles autorisées par l'éthique du druide. Donc ouais, ok.
du druide, c'est gourdin. Bon, on va lui donner le gourdin. Le bâton, la fronde. Caractéristique. Elle défonce des têtes. Poids autorisé 120. Ok. Sort de prêtre en bonus. Ok. Au niveau 1, plus 2. Résistance, rien. Bonus de maîtrise martiale. Ok. Et vous, vous êtes guerrier. Donc vous allez être peut-être en tête de gondole, hein, à un moment. Épée longue. Hache. Ben, on va lui donner la hache. Arc long. Ok. Par contre, ouais. La biographie, vous en êtes où, vous ? Interrogé sur son passé, avoue nerveusement être né et avoir été élevé à Kalimshan. Il ne parle guère de ses parents, mais on sent que son marchand de père n'avait pas une haute opinion de lui. Ok. Ah, il a fait partie d'une milice. Ok. Foudroie du regard, son interlocuteur a dit être né en Tétir. Et être la fille d'un fidèle défenseur du régime du roi. Ah. Elles ont fui. Ok. Là, des druides ont accepté de prendre soin de l'enfant. D'accord. Elle était... Ok. Donc, elle est élevée en tant que guerrière et ensuite, elle a été druide par la suite en étant sauvée. Même si elle le rabroue souvent, elle donne aussi l'impression que l'aimer beaucoup. Okay. Donc, elle est aussi dans la recherche de quelqu'un qui a tué Gorion. Donc, il faut qu'on essaye de garder tout le monde. Imoen. De fait, certains de vous. Elle est arrivée tout comme vous, quoique 10 ans plus tard. Et elle passe plus de temps avec ce bourru de Winthrop qu'avec Gorion. Gros ventre, elle l'appelait du grand désarroi du vieil aubergiste. Ok, super, merci, salut. Bon, allons discuter c'est avec. Parce que je ne sais pas où est Ombre au miroir. Mon auberge est ouverte à tous ceux qui savent se tenir. Bon. Les armures de cuir, je sais pas s'ils ont des choses. Potion d'invisibilité. La potion d'invisibilité, ce serait peut-être plus pour Imoen dans l'histoire. Ah, la culotte dorée à identifier. La hache, ce sera pour Khalid. Et l'arc court. On va déjà rééquilibrer tout le monde, mais normalement, il veut pas nous donner un truc genre des rumeurs. J'ai la flemme de... Et il veut pas nous donner des rumeurs. Ah si. Bentley nous a dit qu'il y avait des problèmes dans le sud. Ok. Rééquilibrons. Alors, gourde. Pour. Voilà, hop. On achète de quoi se protéger. Ça c'est plus pour Imoen. Ça c'est plus pour elle. Ah, t'as besoin de te protéger aussi. Ça, c'est quoi? C'est les antidotes, c'est ça? Prendre soin. On va rééquilibrer parce qu'on en a que 3. Monde. Voilà, ça c'est quoi? Huile de rapidité, ok. Toi, t'as l'arme, c'est bon. T'es équipé. C'est énorme, c'est une longue ça? Oui, c'est bon. Nous on a une longue aussi. On pourrait lui donner hein. La hache on lui donne. Je crois qu'il a une augmentation. Voilà, comme ça il a les deux. Au cas où. On identifie, il y a les bâtons peut-être à vendre parce qu'on en a un peu beaucoup. Là on a un bâton pour chacun, je peux en vendre un.
Le bâton, ouais, ça me sert, mais vite teuf. Marteau de guerre, Morgenstern, je pense que ça, ça ira bien pour notre guerrier, mais je sais même pas s'il peut le porter. Alors, nous, on est riches. On peut peut-être la vendre, ça sert à rien de la garder. Parce qu'elle vaut rien, ça sert à rien. Ok. Donc, bâton. Les affaires n'ont pas du tout marché ces derniers temps. Bâton, on peut pas vendre. L'anneau. 250 balles. Bah, vas-y. Pas vendre le bâton. Masse d'armes, fléau d'armes, ok, fléchette, c'est pour les mages, plus carreaux. Je pense que les armures de cuir, je crois qu'on n'est pas tous équipés. Vous avez quelque chose, le serviteur de Dame Nature attend. Vous avez quelque chose à accomplir? On peut vendre en fait le truc, il nous faut au moins 1, 2, 3, non, 2... Casque. Par ici. Oui. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas checké qui était bon en négociation. Mon auberge est ouverte à tous ceux qui savent se tenir. Tac 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 tac. Non, on n'a pas de chapeau. Ah ah. Ah ah. On peut vendre ça. Bon. Bon, bah on est parti, hein. Créateur de Belle nous a dit que les échanges frères avaient constamment du marché ces derniers temps. Au cours des dernières semaines, oui, mais c'est ça ce qu'on va faire, t'inquiète pas. C'est et bon. Maintenant, que se passe-t-il? On peut dormir? On a déjà dormi. Je ne sais plus. C'est quoi déjà dormir déjà? Je suis dedans. Dedans. Checkons le journal. Alors. C'est vrai que je les accompagne à Nashkel. Bon, on va aller à Nashkel. Hein. Et Landrin, elle veut qu'on ramène sa bouteille qui est à Beregost. Ok, à l'ouest. La bouteille de vin. Ok. Événement important. Ok, bon, on va faire Nashkel. Qui est le chemin le plus rapide pour la mort. C'est-à-dire tout en bas. Une tâche facile. On s'est reposé, on est d'accord, parce que j'ai l'impression que non. Attendez, je vais vérifier mon statut. Mais si, fatigue. Mais j'ai payé moi ma... J'ai payé un bal pour pouvoir dormir. Je vais dormir moi. Pourquoi il est fatigué? Oui. Après faut identifier en partant. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Une tâche facile. Bien quand même, hein, le jeu où tu vois le jeu en loin. Mon auberge est ouverte à tous ceux qui savent se tenir. On n'avait pas eu l'animation de tout à l'heure. C'est fini. Ah oui, parce que j'avais dû faire terminer, je pense. Du coup, si on discute avec Dorn, il nous dit quoi? Parce que nous, on a besoin de Dorn, en fait. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Ah, c'est la nuit. C'est la journée. Putain. Bon. C'est fait. Où notre identificateur ouais. Or qui brille guidera vos yeux lors de vos voyages. 100 balles. €100. Bon.
J'achète les 100, les 20 là, si je prends. On va pas claquer. Non, ça fait quoi 5 chacun en 6 si en fait. Or qui brille, guidera vos yeux l'or de vos voyages. Allez, on les divise. J'ai acheté. Quoi? Mais. J'ai pas claqué là? Il se passe quoi? Je me suis fait carotte? Reviens ici! Oui, ma thune. Oui, ma thune. 236. Non, j'ai pas. Pourquoi j'ai pas payé là? Or qui brille guidera vos yeux l'or de vos voyages. Ah. Acheté? Ah! Oui, d'accord. Ok. Mais moi, je veux tout en fait. Je suis obligé. Ah oui, merci. J'en veux. Je veux tout. Merci. C'était 1! 1, c'était 112 balles! Wow. C'est cher! Bon, on divise pas. Hein. Oui, bien sûr. C'est super cher. Ah ouais! Vive les sorts de soins, là. Il nous faut des sorts de soins. Bon, on va à Nashkin. Hein. Je suis désolé, mais... avançons. Déjà, c'est ça. Pourquoi quand je clique, c'est les mêmes choses là? Elle est où la carte? Voilà, donc on va descendre. On va aller jusqu'à A. Les ennemis vous attaquent. Moi, défendez-vous. Qui Les ennemis vous attaquent. Défendez-vous. Puis-je vous aider? Oui, bah tu défonces ce personnage là, si c'est possible. Le serviteur de Dame Nature attend. On va essayer de taper cette personne. Moi, en attendant, nous on va faire ça. Et vu que toi t'es au corps, à corps, on va faire la fronde, hein, mais. Attends. Et en fait, c'est les demi-ogres. Okay. Vous êtes une je peux pas passer au corps à corps comme tu. Et maintenant, où ah, Khalid est en train de décéder. Et elle l'utilise. S'il n'y a pas le choix. Attaque de circonstance, voilà. Bim. D'opportunité, plutôt, on dit, de circonstance. Ah, on va décéder. Ah, c'est F9. Je me sortirai d'ici. Ce serait peut-être pas mal de partir. Ce serait pas mal de partir. Oui. Salut, Moustache Vert. Bienvenue dans le GOTY 2023. Oui. Nous avons un problème. Nous allons mourir. On n'a pas sauvegardé. Tout va bien. Voilà, tu peux t'enfuir, hein. Y'a pas de problème avec la fuite. Non, mais c'était pas toi qu'il fallait que tu t'enfuis, c'est toi, là. Moi, tu es homme qui me rend fou. Et maintenant, que se passe-t-il? Pourquoi il craque? J'ai de la vie, s'il vous plaît. Bon, bah, Imoen, sans nous, hein, le combat, hein.
On n'a pas une capacité particulière qui est genre trucider les demi-hommes. Voilà, le vrai GOTY 2023. C'est pas du tout parce que l'ordinateur ne fait et pas fonctionner ce genre de jeu. C'est faux. Vous 150 gigas, voire même plus. Vous aider, le serviteur de Dame Nature attend. Ah. Le vêtement. Moi, j'aimerais bien enchevêtrer cette personne. Moine, tu reviens quand tu peux. Hein. Ah oui, c'est vrai que ça, c'était pas mal comme attaque. Mais je crois qu'on peut... Oui, voilà, on se fait avoir nous aussi. Ridicule. Bon, tu vas être bloqué, je pense, ouais. Voilà. Okay. Oui, oui, bien sûr. On peut s'en aller. Hop. 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 Et il nous Avez-vous faut... Avez-vous besoin de mes services? Voilà, bah c'est fini. Fini. Tu peux prendre ta vie, hein. Mais c'était pas toi. Je clique sur Imoen et il me change. Et maintenant, que se passe-t-il? Eh bien, on attend que l'enchevêtrement s'arrête. Lol. Et maintenant, où? C'est fait. Quel jeu de l'enfer, quand même. Hein. Regardez-moi ces dés. Alors, moi, je vais regarder, hein, parce que je ne vois pas toujours pas les dés. Je vais taper Baldur's Gate. Pourquoi je vois pas mes dés? Avec ces jets de sauvegarde de l'enfer, là. Comment c'est possible que enchevêtrement dure aussi longtemps? Et où est vraiment le GOTY, là? Enhance. Sea Dice. Je vais voir les dés. Display Hidden Die Rolls. Oui, pourquoi? Option gameplay feedback then select to hit rolls. Ok. Alors, attends. Option. Gameplay. Feedback. Et après, ils disent select to hit roll. Aucune attaque cosmétique, marqueur coloré, cercle de soleil. G de toucher, c'est ça? Ah bah voilà, c'est ça qu'on voulait, merci. Oui. Et voilà, nous avons réussi à tuer ces demi-orques et à les pourrir de rien. Parce qu'on est vraiment nuls là, sur le coup. Hop, hop, on récupère tout. On a... elle soigne? Ah, c'est parce que j'ai mis l'IA, c'est ça? Oui. Eh bien, merci, tu as oui, des sorts de soins. Oh, figure autoritaire omniprésente. Ah, d'accord, excusez-moi, bonjour. Figure autoritaire omniprésente. Interesting. Bon, on récupère ta potion. Mettons ce magnifique pantalon. On peut pas. C'est censé rentrer dans quoi, sa culotte dorée? Pas pour nous? Ok. Il faut quelqu'un, voilà, qui a pas de... peut porter mais qui n'a pas de chapeau. On a claqué toutes nos oui c'est ça, on a claqué toutes nos potions. Je suis très heureux. Ça c'est pour qui? Il a déjà lui. On en a trop. Et elle peut pas se couvrir. Quel enfer. Est-ce que vous pouvez porter ce chapeau? Non, personne peut porter ce truc. Pourquoi on a une culotte dorée alors? On peut pas porter ça. Nul. Deux demi-ogres niveau 1, le jeu est pas sympa. Non mais t'inquiète, c'est oui, la base. Bien sûr. Hein. On est déjà mort 3 fois devant l'auberge de Brahmical, là. Tout va bien. On n'a pas du tout couru dans les jupes des gardes. Hein. Regarde rapide. Ah, sauvegarde impossible. Pourquoi? Parce qu'on est en combat, c'est ça? Faut quitter X. Je peux faire un peu de repos là? Non, non plus. Ok. Eh bien, c'était. Je suis heureux. Et là, moi, c'est. Alors, oui, c'est ça. On était même pas à côté. Ah, détecte les. Qu'est-ce qui se passe? On peut dormir? Merci. On va se faire attaquer tout de suite. Hein. Ne nous voilons pas la face. J'aurais dû sauvegarder avant.
Et voilà, c'est la nuit, donc hop, on va sauvegarder. Hein. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors nous, on doit aller à Nashkel. Nashkel qui est tout en bas, logiquement. Et on va se faire taper. Voyons voir. Hop, allons en bas. Alors bien sûr, nous, on n'a pas peur. On clique très loin dans la map pour voir toute rencontre au cas où. Sans doute des ours, hein. On va taper des ours quelque part. À un moment donné. Ah bah voilà, forcément, j'en étais sûr. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Grouilleux. Malade en plus. Oh non, ils vont me donner la mort là. Quoi? Oh non. Et maintenant où? Voilà, moi je suis un rôdeur. Vous hein. avez quelque chose à accomplir. Je peux pas faire grand chose, voilà, on va claquer tout ça, hein. Quoi? Oui. Bon, Khalid, tu risques de mourir. Ah bah ça va. J'ai claqué là, j'ai claqué pour lui. J'aurais pas dû. J'avais oublié que les grouilleux ça va en fait. Je ferai de mon mieux. Oui. Claquer oui, mon jet de baguette magique. Oui, pas de save auto, mais c'est pas grave de toute façon, parce que je note dans mes sauvegardes normalement. Voilà, donc là par exemple, bras pas amical, je vais sauvegarder ici, je vais dire. Nashkel, nous voilà, par exemple. Je peux changer le titre? Merci. Nashkel, nous voilà. Oh, des grouilleux, again. Alors, vas-y. Passons aux choses sérieuses maintenant. Oh là là, mais il y a tellement de dératés là. Passons aux choses sérieuses maintenant. Est-ce qu'il y a des trucs? Oui. De la thune. De la thune. Ça ne paye pas du tout sa potion de soin, ça. Hein. 112 balles la potion de soin, je pense qu'on. On est dans le cac. Mais des kobolds. Pas mes pires ennemis du tout. C'est moi qui ai pris cher en plus. Bon. Allez hop, les kobolds on va les tuer direct. Hein, parce que, hop, vas-y. Oui, mais t'inquiète. Et maintenant, que se passe-t-il? Focalisons-nous sur toi. Voilà, déjà. Oui. Toi, t'as trop. Vous êtes une bien étrange personne. Mais il parle tout le temps. C'est fait. C'est bon, il n'y a pas de problème. Voilà, mon cœur n'y est pas vraiment. Un jet d'attaque. What the fuck? Bon. Moi, je veux pas de Khalid mort sur le chemin. Enfin, tu vois, genre, il va être en dépression sur ton truc, j'ai pas envie. Heureusement que j'ai chargé juste avant la sauvegarde, là. Oh! Oh là 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 là. Bon, on se prépare, hein, parce que tu vas perdre tes 12 points de vie en deux coups. Donc, voilà, ils sont là. Hop, tuez-moi ce mec. Voilà. Hop, tuez celui-là. Mais le la serviteur vie, wesh. De Dame Nature attend. Mais regardez-moi ces jets de l'enfer, j'en peux plus. Mais regardez, il y a un mec qui l'attaque derrière. J'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai mis en normal. Hein. Imaginez la version hardcore du truc. Oui. Figure bon. Autoritaire omniprésente. Je veux de la vie. Donne-toi de la vie, s'il te plaît. Merci. Mais c'est pas possible. C'est comme si c'était fait. Ouais. Oui. Ouais. Et bien voilà. Alors si on fait une vraie partie Et maintenant, que une tâche de Donjons et Dragons, est-ce qu'on peut se dire que réellement là, en fait, on a perdu genre la moitié de ta vie, on fait dodo en fait. Hein. Là, et c'est la nuit, on continue pas. Les règles de... Oui, bah... Ouais. En plus, c'est Advance. Il me semble qu'il y avait eu des modifications, justement, pour éviter que ce soit trop vénère. Après. Ah! Ah oui, j'avais oublié cette histoire. Récupérer les scalpes de bandits pour les vendre à Nashkel.
Regardez, on fait le taf. Je suis plein. Envoyer les trucs. Moi, j'ai juste besoin d'un arc long. Ça, j'ai pas besoin. Ça, pourquoi? Oh, une épée courte. J'ai pas besoin des épées courtes. On va la donner à Imoen. Imoen aussi, qui a pas assez. Ça, c'est. Voilà, l'épée longue 2. Non, c'est l'épée bâtarde. Tiens, garde ça. Et parchemin de Gorion, c'est bon. Ok. Et après, faudra qu'on... Oui, c'est ça, c'est les vieilles règles. Ouais. Bon, bah, écoute, les vieilles règles, vieilles habitudes, on fait dodo. À chaque moment de mort et d'utilisation de sort, on fait dodo. Petite sauvegarde. On continue. De toute façon, vaut mieux marcher dans la journée, hein. C'est connu, hein, comme ça. Ah, quelqu'un, bonjour. En doute. Je doute. Salut, toi. Vite, faut que je fonce en Berigros. Il faut avertir le gouverneur. Quelle date que des renforts arrivent. Il faut que Berigros se protège en cas d'attaque amnienne, même si l'amnie... Pareil. L'amne, ni. Pareil, attention. Ouais, okay. Bah, bon courage, hein. Je crois que Berigros est en haut. Au-dessus de bras amical. Bonjour, Jazz. Vous avez l'air drôle. D'accord, les bandits, les stupides fers. Ok. Bon, est-ce que... Ah non, mais Berigost est en bas. Mais attends, mais du coup, c'est en dessous. Ah oui, Berigost, c'est en dessous de Berigost. Nashkel, de mémoire. Que désirez-vous ? Vous cherchez votre chemin ? Vu votre air sympathique, je me suis dit que j'allais vous offrir ma aide. Certainement, j'apprécie beaucoup que vous m'indiquiez une auberge. J'ai envie de luxe. Quelle est la meilleure auberge en ville ? Ok, c'est fait le dépost. Ok, abordable. Gerbe rouge, il y a plusieurs, ok. Il me faut une armure et des armes de grande qualité. Nous avons le meilleur forgeron de tous les royaumes. Un endroit où s'asseoir et noyer ses soucis. Vous m'indiquez une bonne taverne? Ok, merci. Ah oui, il y a une attaque dans cette... Oui, bien sûr. Quelque part. La rencontre dans pas longtemps. Je vais devoir commencer à me préparer aussi. Pour partir tôt. Je note que ça rame. Gotti vraiment? Ou pas Gotti? Comment est-ce possible? Ça marche, en plus c'est vert du côté d'OBS. Pourquoi tu rames toi, petit ordi? C'est l'ombre qui fait ramer. Elles avaient quelque chose en tête? Ok. Alors du coup, là nous avons découvert deux endroits. Je sais pas ce que c'est. Il faut rentrer peut-être. On est où? Perdu. Oh, vous m'avez fait peur, je prenais rien, jurais, je jetais un œil à la maison, c'est tout, faut bien que qu'on surveille, parce que c'est sûr, ils vont revenir, les Grécards sont seulement partis en visite à la porte de Baldur, ils devraient être revenus. Pas désactiver le retracing, ouais, ça doit être ça en plus, clairement. Faudrait que je fasse... Bah écoute, vous êtes Imoen, une j'en ai assez. Fais ton taf, hein, j'ai envie de te dire, si lui faisait son taf. Pas possible cette histoire de serrure, comment tu... Mais... Je veux voir les dés. Ah, enfin. Voilà, de la thune. J'en ai assez. Mais garçon, tu es en bas. Hein. Ah, ah. Ah, ah. Bon point passer par ici. Il y a point de piège.
Bon. Et maintenant, où ? Une tâche facile. Une tâche facile. Bonjour. C'est fait. Excusez-moi. Excusez-moi. Loin de nous de vouloir vous poursuivre dans la prison. C'est un vrai plaisir de rencontrer un bon bougre comme toi. Sarcastique, ok. Il y a des trucs ici ? Non. On visite. Bien sûr. Hein. Perdu, c'est perdu. Oh. Oh. Qu'est-ce qui est méchant cet enfant. Voilà, je te pique tes thunes, hein, pour la peine. Attendez. Voilà, j'avais pas vu. Ah ah. On va lire ça. C'est trop long. C'est fait. Bon, on sauvegarde hein, parce qu'on va mourir dans pas longtemps. On va l'appeler Berry Ghost. Ouais, on peut même pas écrire vraiment. Allez. Ouais, merci. Berry Ghost. Oh, on peut pas mettre de trucs. Une tâche facile. Hey, salut! Vous m'avez l'air bien sympathique! Verrouillé. Qu'est-ce que vous voulez? Et nous avons... Moi, je m'en vais. Voilà, crochetage réussi. Oui. Nous pouvons entrer. C'est fait. Ah. Excusez-nous, on a ouvert une porte fermée. Nous allons occuper cette dame pendant que tu ouvres ça, Imane, bien sûr. Bon. C'est bon, non? Toujours pas? Oh, allez, crochetage là, crochetage. Allez, le dé. Mais c'est pas possible. Pas possible. Et maintenant, que se passe? Une tâche facile. Tiens, peut-être qu'elle va nous donner les clés. Les doublages français me terminent à chaque fois. Ouais, bah... Ouais. Ah, des brutes comme nous. Exact. Tu nous as pas donné les clés, en tout cas. On viendra chercher ton coffre dans pas longtemps. Une tâche facile. Alors, faut pas aller très très loin dans cette map. Surtout pas à droite, de mémoire. Alors, on n'y est pas encore, mais... Parlez plus fort. Plus fort. Je suis en fait très timide. Vous avez besoin de quelque chose? Le mec a crié, je suis en fait très timide. C'était une bonne blague, ça. Oh yeah, oh yeah. Ah, c'est un crieur public, il est... Ah, ils m'ont tué, là. Ah, faut ramener la preuve de la mort de... du clair fou. Okay. Oui. Il fait des amalgames entre les différents bandits qui se battent dans le coin. Moi, nous, on n'est pas des bandits, nous, on ouvre les portes fermées de cette ville. Et maintenant, où ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Hein ? Alain ? Excusez-moi, j'attendais effectivement de la visite, mais pas de ce genre. Hors de ma vue, avant que les autres n'arrivent, je ne supporterai pas qu'une bande de mécréants gâche mon humeur. Ok, super. Imane, c'est le moment d'utiliser tes compétences. Voilà, c'est bon. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Faut qu'on augmente ses skills de vol parce que on aura besoin, je pense. Qu'est-ce que vous voulez ? J'en ai assez. En même temps, fallait pas être voleuse hein, si t'en avais assez d'être demandé en crochetage sur le coup. Bon. Oui, bien sûr.
C'est fait. Ah. Magicien Herbe. Salut Garic. La compagnie, j'ai une offre à vous faire. Un travail bien payé, bien sûr. Nous avons toujours besoin d'argent. Écoute, elle va jouer au poulet ducal avant la fin du mois, mais elle a eu quelques problèmes dernièrement. On fait des postes à envoyer des brutes pour la passer à tabac, parce qu'on n'a pas joué à l'auberge comme prévu. On ne peut pas lui reprocher de ne pas s'être montré avec un scélérat comme fait des postes à la tête de l'endroit. A besoin de mercenaires. On va devoir la protéger. Elle a besoin de mercenaires pour la protéger. Elle est disposée à payer 300 balles. Ça fait au moins 2 potions de soins. Eh bien, ça a l'air honnête, hein, tout à fait. Hein, tout a l'air honnête dans votre histoire. Mais non, c'est maintenant là ? I'm shocked. On va se taper. C'est pas voulu, hein. C'était clairement pas voulu. On va se taper, là. On est en mode attente. Genre, il est midi, on se retrouve... Ah. Bon, bah, je sauvegarde, hein. On s'est mis dans un truc là. Bon, je recoupe la caméra juste 2 minutes. Faut que j'aille préparer vite fait à manger. J'arrive. Si t'as pas envie. Ne devrions-nous pas occuper notre temps à quelque chose d'utile ? Bon, c'est re. Oui, bah, quelque chose d'utile, apparemment, ça va se taper, donc... Mes Silk, hommages, mercenaires. Je suis Silk, artiste extraordinaire. Attends. Excusez-moi, elle a baissé le prix. Pourquoi ? Pourquoi a-t-elle baissé ? Alors, je veux bien voir, moi, ce qui va se passer, c'est-à-dire la mort, je pense. Mais, je veux savoir pourquoi elle a baissé le prix, en fait. C'est fait. Mes hommages, mercenaire. Je suis Silk, artiste extraordinaire. Oh là 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 là, il y a un mage en plus dans l'histoire. On va mourir. Hein. Niveau 1. Hein. Frappez lorsque je vous le dirai, nous sommes selon. Ouais, nous avons le. N'essayez pas de menacer, je ne serai pas une proie facile. Oui, donc du coup, Silk, tu as essayé de nous carotter. Hein. Bon bah voilà, Silk, adieu. Puis-je vous aider ? Le serviteur de Dame Nature attend. Je pense qu'on va te kill. Hein. Ah oui, non, mais on va peut-être pas utiliser enchevêtrement maintenant. On va tous être bloqués. C'est mieux quand on est à distance. Alors. Ouais. Vous êtes une bien étrange personne. Moi, je m'en vais. Oui, c'est fait. Là, elle me vise, on est d'accord. Elle me vise. Passons aux choses sérieuses maintenant. Oh, mais elle me vise tout le temps, j'en peux plus. Touché que je ne le pensais.
je m'affaiblis. Mère de sûreté. My God. Oui, ô figure autoritaire omniprésente. Il faut que tu sauves Galim. Galim. Vite. Ah bah super hein. Tout ça pour avoir aucune thune, mais par contre on a gagné de l'expérience, 900 balles. Je crois qu'elle est trop mat par contre. Oh là 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 là. Bon bah écoutez, on va abandonner dès le début hein. Salut. On revient quand on sera niveau 14. Et du coup on vient d'interdire une rue en plein milieu de Berelost. C'est compliqué. C'est compliqué. Oh, bonjour. Bienvenue dans ce stream de GOTY 2023, bien entendu. J'espère que ça va, cher Az. Alors, du coup, tu étais avec du people sur la diète, culture et ses dégâts. Ah, ok. Trouble TCA, du coup, grossophobie, intériorisée et rapport biaisé à l'alimentation. Ok, ça avait l'air cool. J'espère que ça s'est bien passé. Que la discussion était. Vous avez quelque chose en tête? Agile selon l'état. Bref. Blague nulle. Les villes sont tellement intimidantes. Il y a tellement de monde. Donc là, on vient de bloquer toute une partie de la carte. Bon, j'espère qu'en tout cas, c'était cool tout ça. Alors, attends. Maison de Perle-Flamme. On vient de bloquer toute cette rue. J'en peux plus. On peut même plus traîner là-bas. Bon, l'auberge est là. Une auberge ici, en tout cas. C'est l'auberge chère, je crois. Là, c'est quoi? La maison de Perle-Flamme, Cheveux d'Elfe. On va aller voir Cheveux d'Elfe. Les gens bien sont si rares de nos jours. Est-ce que ça a bien marché? Oui! Ça marche. Merci pour le raid encore. Hein. Alors, du coup, c'est un de mes livres préférés, je suis sûr qu'il vous plairait. L'histoire des cloches de la profondeur, ok. Nous sommes rentrés dans cette maison. C'est fait. Les gens bien sont si rares de nos jours. Ah, mais du coup, faut rediscuter avec les gens. Comment ça? Ils ne vous disent pas les choses dès le début. Un vieil ami de Gorion, on ne savait pas. Gorion, mon pire ennemi. Vous êtes une... Ah, ici ! Bien sûr, nous allons ouvrir votre coffre. Ah bah, direct. Voilà, tu vois, on a bien fait de... Ah, on n'était pas du tout en train de regarder votre coffre, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est barré direct. Ah mon dieu. Oui, allez, c'est fait. Oui, bien sûr. Ah ah ! Un anneau de jade. Je ne l'avais jamais vu. Alors attends, j'étais... Quoi ? Et maintenant ? Oui, bien sûr. Ah bah si. Et maintenant, où ? En tout cas, c'est là où on voit la diversité de ces premiers étages. C'est beau, hein, il y a un architecte ou et une décor... C'est fait. Et, ou une architecte... et des... Comment on dit? Décoration... Déco... Déco, là. Moi, je m'en vais. Ça se voit qu'il y en a, ils se font de la tunique. Hein, parce que c'est toujours les mêmes premiers étages. Et même premier étage rez-de-chaussée, c'est pas mal aussi, hein. C'est un peu... Vous êtes une bien étrange... Moi, j'ai l'impression que les coffres-forts sont tous rangés au même endroit. On va y arriver, je vous rassure, voilà. Non, toujours pas. Et maintenant, c'est fait. C'est pas comme dans LoL où il faut mâcher les boutons. Merci, Sloom. C'est Sloom ou Slum? C'est fait. Je soupçonne que tu as suivi du coup cette chaîne
Principalement parce que tu as vu ce mash-up de crochetage. Et maintenant, tout à fait une tâche facile. Du coup, ce gameplay volage. Oui, alors du coup, je vous ai pas présenté, mais Roland de la Troubresson est décédé plusieurs fois. Et à la possibilité de revivre, on ne sait pas pourquoi, je vais vous lire sa biographie. Roland de la Troubresson n'a d'histoire que de son nom. Pourquoi Gorion se prétend mon daron et m'impose de récupérer sa thune? Louche, je dirais. Quincy est officiellement mon ami juré. Alors, Quincy, c'est... Je crois que... Je sais plus qui c'était. Même pas sorti du château suif qu'un groupe de mercenaires tente de m'assassiner sans doute une perfidie de Gorion. Incroyable, Gorion a perdu la vie dans le combat contre les mercenaires. Il est possible qu'il m'en voulait moins. C'est nul. Un avis de recherche a été établi. Je suis décédé plusieurs fois devant l'auberge de Brapa Amical. Un étrange phénomène me fait revenir. Magie, on va personnaliser. Ce n'est pas que moi. Voilà, donc on rajoute un peu plus de biographie, bien entendu. Ce n'est pas que moi. Jaira et Khalid aussi reviennent après être décédés. Après être décédé. Seul Imoen n'a pas de problème. Seul Imoen n'a pas de problème. Ouvre. Autre que d'ouvrir des coffres. C'est vrai qu'elle galère un peu. Hein. Nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés à Berigost. Sans difficulté. On peut pas dire sans difficulté, c'est faux. Nous sommes arrivés à Berigost. La moitié de la ville n'est pas praticable. La moitié de la ville n'est pas praticable. Des gens se battent dans les rues. Dans les rues, voilà. Bon, je suis mort de rire dans ma bio. Voilà, c'est ce qui est le plus important hein, dans Donjons et Dragons, en écrire les bios, hein, je rappelle. Moi, alors. Je m'en vais. Et maintenant, moi, j'ai rien compris à cette histoire de Gorion, hein, de toute façon. Donc, on nous impose des parents. Hein. Elle arrive à ouvrir les portes. Par contre, les coffres forts, ça c'est autre chose. Ah non, elle a pas ouverte. Moi, je m'en vais. J'en ai assez. Oui, une tâche facile. Bon, de rien. Est-ce que la map nous indique où nous sommes? Peut-être qu'il y a quelque chose de ce côté-là. On va aller voir. Je crois qu'il y a un puits dans le coin avec un animal ou un enfant tombé. Ça c'est la technique à l'ancienne des jeux de rôle. C'est dire que de rappeler que la seule référence c'est Lassie, épisode 1. Donc. Voilà. Donc ce n'est pas ici. Par contre, il y a des trucs ici, mais. Franchement, c'est joli. On entend les oiseaux. Et... Bon, je crois que c'est par là l'histoire du. Je vais sauvegarder parce qu'on approche des endroits où ça craint. Je crois que... Salut. Salut. C'est le meilleur salut de tous les temps, hein. Franchement, bravo. Ah, il y avait quelqu'un caché ici. Bonjour. Oui. Ok.
Ah ah. Oh, je me rappelle. Il y a une histoire de magie dans le coin. Alors attendez, parce que je me rappelle plus. Ciao. Où c'est. Il y a des... On va se faire attaquer par des mages, là, je crois. Oui. Autre que Silk. Les pierres m'ont laissé pour mort et étranger. Et un étranger m'a soigné. Quelqu'un de moche à la... Sauver, c'est ça qu'il dit? Eh bien oui, bah bonne journée, bonne course. Merci d'avoir encore du raid, hein, Charles. Merci beaucoup. C'est dur de revenir des fois. Merci d'être là en soutien. Est-ce que c'est une indication? Maison de Landrin. Ah bah tiens, c'est la... C'est... Oh, ah mais non. Mais c'est là où on va se faire piéger, c'est la... On va juste chercher une bouteille. Mais c'est un piège. Nous le savons. J'ai mon deuxième réveil. C'est un piège. Et voilà, c'est un piège. Officiellement, nous nous faisons attaquer par des araignées. Je m'en rappelais de ça. Puis-je vous aider ? Bah là, oui. Le serviteur de Dame Nature attend. On va se faire empoisonner. Vous êtes une bien étrange personne. Corps à corps, tout le monde, s'il vous plaît. Et maintenant, que se passe-t-il ? Bah là, ce qui se passe, c'est la mort. Allez. On y croit. Peut-être en chevrettement, ça pourrait être pas mal. Oh, figure autoritaire omniprésente. Bah non. Pourquoi elle a lancé en chevrettement sur Khalid ? Is that serious ? Allez. Mais faites quelque chose ! Mais je comprends pas pourquoi j'avais encore le... Qu'est-ce que vous voulez ? Et maintenant, où ? Bah loin, fait. En fait, parce que là, j'ai l'impression que tu vas te faire bomboclate. Merci. Non, là, tu peux attaquer l'araignée colossale, légèrement blessée. Mon dieu. C'est l'enfer. Aïe, aïe. Il faut s'enfuir. Il faut s'enfuir. Oh là là, il est en train de se faire bomboclate. S'il vous plaît. Quelque chose à accomplir. De la vie. En plus, il est empoisonné. Non mais vite. Voilà, 12 traits, c'est bien. Oui. Voilà. Quelqu'un, s'il te plaît. Tuez ces araignées. Mais c'est pas possible. Le serviteur de Dame Nature attend. Toi, t'es là? Qu'est-ce qu'il fait, Khalid, là? Mais tu l'es, en fait! Fais quelque chose! Mère de sûreté! Mère de sûreté! Bon, mince, je suis hanté? Ou mince, je suis... j'ai roté? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, mais il est décédé! Oh là là là! Si vous mourrez, je vous jure que vous n'en connaîtrez pas la fin! C'est fait. Bon, on n'a pas le niveau, on continue. Hein. On n'a pas le niveau pour ça, je suis désolé là. On peut même pas se taper contre des araignées, c'est compliqué. Ah, le jongleur jovial, je crois que c'est l'auberge. Hein. Ouais, on va y aller. Oui, bien okay. Sûr. Eh, hey, c'est un vrai plaisir de rencontrer un bon bougre comme toi. Oui. On va le noter sur notre bio parce qu'on va oublier sinon. Personnaliser. Andrin nous a piégé. Je soupçonne une araignée. Caché dans un corps humain.
Berghost est incroyable. Même les maisons ne sont pas praticables. Non, pas, comment j'ai dit déjà utilisé praticable. Comment on pourrait dire Oui, mais c'est justement pour ça qu'on y joue, hein, bien sûr. Hein. GOTY 2023, oubliez pas, hein, c'est que toutes les personnes qui jouent à Baldur's Gate en se disant que que cette licence est incroyable, ont passé énormément de temps à ça. C'est-à-dire à ce jeu-là. Et après le 2, qui paraît moins bien, donc je sais pas. Mais ça se trouve, hein. Mais donc, moi je l'ai rencontré tardivement, et comme j'avais déjà raconté, j'avais vu des gens jouer. C'est un petit game, quoi, on va dire. Moi, je trouve que c'est long et intense de sauvegarde pour pas grand-chose. Mais ça, c'est que mon avis. Mais après, c'est vrai qu'il est bien. Hein. Le son est là, la BO est bien. Enfin, ouais, il y a tout. C'est un bon jeu des années 97, clairement. Après, est-ce qu'en 2023... je sais pas. En tout cas, tu peux clairement pas faire le jeu solo. Et ça m'énerve, en fait. C'est un jeu... Donjons & Dragons, c'est un jeu de groupe. Mais là, par exemple... C'est un vrai plaisir de rencontrer un bon bougre comme... En tant que rôdeur tracker, on aurait pu quand même commencer le début du jeu sans avoir forcément de... un groupe de 5. Ma sœur et moi retiendrons des milliers de soldats amis un dos à dos. Ah, il faut donc choisir entre cuisine et combine. Alors, ma foi, les bras d'une femme... Ouais, vous avez le courage de revendre, je crois. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que c'était ça puait du cul aussi, les dialogues. Et on est souvent tout à fait abstrait, je le crains. Tuer un soldat amené, hein, c'est avoir l'âme tout entière à ses basques, se battre dos à dos, c'est découvrir ses flancs. Ok. Voilà, c'était, je me posais la question de comment régler cette discussion. Laissez-moi, ou le garde s'occupera de vous. Ou qu'est-ce qui se passe, oui, c'est vrai. Je veux dire qu'il y a des choses avec les mines du sud. Oui, bah oui, c'est celle-là qu'on va, de toute façon. Bonjour, Björnin. Rien que l'inventaire, les mécaniques ont trop mal vieilli. Ah bah, ouais. Mais même je crois que l'inventaire de celui qui est sorti récemment... J'ai de la bonne bière pour vous. Moi les différents services que vous proposez. On va dormir. Voilà. Pourquoi? Donne-moi une bière. Vas-y, mais donnez-moi des rumeurs au moins. Pourquoi je peux pas payer? Il se passe quoi? Parce que lui il veut me parler? Le badaud se contente, le vieux. Elle s'est fait dérober sa célèbre cape de son dos par une bande de misérables talois. Bois manteau, l'endroit rêvé pour perdre sa cape. Je mets votre foi au menu. Allez au suivant, laissez la place à ceux qui veulent se marier. C'est juste pour ça? Oui. Bon, je vais devoir y aller. Je crois qu'on va faire le dodo ici. Et on va se dire que... on récupère un peu de thunes avant de payer nos 3 balles, là. On va faire dodo ici, on va se dire que peut-être que demain. Demain, ouais. Du whisky. On se retrouve peut-être demain. Loué, voilà. Bon. Qui a en live? Parce que ça, c'est la grande question. Ah bah voilà, on va aller voir Dollywood parce que j'ai jamais raid Dollywood, mais c'est que le matin. Parce qu'en plus, là, c'est. Maptinal, donc c'est une map qui est créée. C'est le premier raid d'Hollywood, je ne connais pas suffisamment son taf. Mais on va se dire que c'est cool pour l'instant, on va aller voir. J'espère que vous allez être sympa avec la personne.